les vaccins, y compris extrêmement utilisés, comme celui de la grippe, si vous voulez, on sait qu'en réalité, la cible réagit assez mal au vaccin parce que l'immunité va en se dégradant. C'est ce que l'on sait. Avec l'âge. D'accord. Ouais. Et donc, toutes les décennies sont associées à une baisse de 10% de la réaction au vaccin contre la grippe. Donc plus on est âgé, moins le vaccin fonctionne, c'est ça? Pour ceux que l'on connaît, oui, oui, pour tous ceux qu'on connaît. On vit dans un monde qui est fou. Donc, si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un autre siècle. Ce n'est pas des conditions pratiques, ce n'est pas de la lutte au quotidien. C'est une arme au Moyen-Âge ? Non, mais déjà, de dire aux gens, ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc, c'est même pas Moyen-Âge, même Hippocrate ne faisait pas ça. Je ne sais pas, il y avait des bains chauds, quelque chose. Il ne disait pas aux gens, restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. Si vous voulez. C'est un truc de fou. À partir du moment où vous êtes parti comme ça, à partir du moment où vous avez dit, écoutez, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie qui a mis très longtemps à se mettre en place, écoutez, on fait les tests, on voit là, ceux qui sont positifs, on les prend en charge, on regarde ce qu'ils ont, ceux qui sont négatifs, ils peuvent rentrer chez eux. Plutôt que de mettre en place une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c'était une gestion qui allait pouvoir se gérer politiquement et non médicalement. À partir de ce moment-là, les politiques ont cru depuis le début qu'il y allait avoir une baguette magique. Cette baguette magique, leurs experts qui ont l'habitude depuis 20 ans de travailler avec l'industrie pharmaceutique ont cru que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique qui allait trouver une baguette magique. D'abord le remdesivir. Oui. Okay. Le remdesivir, souvenez-vous qu'ils sont encore fait rouler à la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de vaccins d'un médicament dont je dis depuis mars que ça ne marche pas. On va y revenir dans un instant. Mais maintenant, encore une fois, c'est la même chose. C'est maintenant. Il n'y a plus cette baguette magique, donc la nouvelle baguette magique, ça ne va pas être de lutter, de faire le métier. Ça, pour résoudre les combats, il faut se battre à la vietnamienne. Il ne faut pas se battre comme Napoléon III, on a une défaite et tout s'écroule. C'est comme les Vietnamiens, on gagne maison par maison, patient par patient. C'est comme ça qu'il faut se battre, c'est la guérilla qu'il faut faire. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise en place. Donc, je peux vous dire que... Franchement, j'ai mes amis africains, dont un des collègues a osé porter des paroles insultantes, qui sont la plus grande star, moi, que je connais au monde de lutte contre les épidémies, c'est Mouyembe. Personne n'a ça à son tableau, maîtrisé 3 ou 4 épidémies d'Ebola, des épidémies de choléra. Et il a dit quoi ? Ben lui, il a dit, écoutez, nous, on n'a pas d'état d'âme. On sait bien que la chloroquine, ça n'a jamais tué personne. On teste les gens. Vous savez, la stratégie de nos pays, et la France n'a pas été la pire de ce point de vue-là, l'Angleterre, là, sur lequel le truc, vous vous rendez compte qu'ils ont fait un programme de vaccination qui a été repris par l'OMS. Les Américains ont fait pareil, d'évaluation thérapeutique, sans exiger qu'il y ait au moins un test diagnostique. Mais vous vous rendez compte, le niveau... En Afrique, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça en Afrique. Pour faire un diagnostic, on fait un test. On n'inclut pas dans des essais thérapeutiques, pour la folie de faire des essais thérapeutiques, des gens dont on ne connaît pas le diagnostic, quand même. Je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. Ce n'est pas le cas. Pas le faire. C'est pas le cas. Voilà. Heureusement, je pense que c'est le président Macron qui a arrêté ça. Donc il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que là, on aurait une révolution. C'est-à-dire quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche, et on rend ça obligatoire. Alors ça, c'est vraiment la folie.